Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, il faut partager, il faut apprécier. C'est votre servante moyenne. Sans plus tarder, nous allons présenter son nom au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans nos vies, pour la protection que tu nous accordes. Merci Yahweh, je bénis ton nom, toi qui es le maître de notre vie. Tu es le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit béni, Yahweh. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en action et que je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous, je vous ai dit, et je me répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur se révèle à nous. Il faut apprécier. Et il faut partager aussi. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre Proverbe 21 et le verset 1. Nous allons lire ensemble. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé et célébré en dignité. Alléluia. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Il est le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que nul ne part au Père que par lui. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre protecteur. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre forteresse. Il est notre salut. Alléluia! Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ soit avec toi. Amen. Et je vous ai dit que la Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles. Ça, ce n'est que le début. Ce que vous voyez là, ce n'est que le début, ça. Voilà. Mais après ça, amen. Parce que c'est le sang qui va couler encore en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici avec nos conjoints, avec nos enfants, nos petits-enfants. Il faut prier. Il faut se mettre au travail. Il faut jeûner. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et je vous ai dit que comme nous prions pour la Côte d'Ivoire, je sais que le Seigneur se révèle à toi aussi. Alléluia. Un chrétien converti, un chrétien qui est assis dans la parole, Dieu se révèle à lui. Il faut prier, il faut méditer la parole jour et nuit. Il faut manger la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va se révéler à moi. J'ai vu beaucoup, des milliers de gens en Côte d'Ivoire. Mais la particularité est que ce sont des journalistes du monde entier qui étaient en Côte d'Ivoire, qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu des micros partout. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Mais des journalistes qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et il y avait une conférence de presse. Une conférence de presse. Et c'était important pour toute la Côte d'Ivoire. Et cette conférence devait libérer la Côte d'Ivoire. Mais le patron, cette personne qui a pris la parole, j'ai vu quelqu'un qui a pris la parole.
Je ne vous dirai pas le nom de la personne, mais j'ai vu quelqu'un qui devait prendre la parole devant des milliers de journalistes et devant des milliers de micros. Et quand cette personne a pris la feuille, et la personne voulait lire un message, et j'ai vu que la personne a commencé à bégayer. Cette personne a commencé à bégayer. Et la personne est tombée. Je ne peux pas vous dire la suite. Mais c'était la débandade partout. Parce que c'est une personnalité de notre pays. La personne voulait parler. Mais la personne ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et devant ces parterres de journalistes, la personne est tombée. Et quand la personne est tombée, j'ai vu maintenant la personne qui était habillée quand elle venait. Je vois cette personne nue. Je vois cette personne en caleçon. Et le Seigneur maintenant qui va parler. Le Seigneur a dit, il faut dire à cette personne de ne pas endurcir son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de commentaires. Je vous ai dit que les gens n'apprécient pas les longues vidéos parce qu'ils n'ont pas assez de moyens au pays ici pour s'acheter des unités. Mais je crois que le fond de la révélation, c'est ça. Je vous ai dit que je résume ça pour vous donner, pour vous faire écouter, afin qu'ensemble nous prions pour notre pays. Et le Seigneur qui va me dire, dis-lui de ne pas endurcir son cœur, parce qu'il y a l'humiliation qui arrive. Et priez pour votre pays. Il aura un bras de fer. Le sang va couler. Et je vois des Ivoiriens qui avaient peur de s'exprimer, qui avaient peur de donner des conseils à cette personnalité. Et le Seigneur me dit, il faut leur dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Il aura beaucoup de douleurs, beaucoup d'humiliation, beaucoup de frustration. Mon frère, ma sœur, cette personnalité était nue et il était couché là. Elle ne pouvait pas parler. Cette personnalité ne pouvait pas s'exprimer. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je suis attristé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Prions pour la Côte d'Ivoire, mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire.
le sang va couler. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vu cette personnalité qui était à même le sol devant des milliers de journalistes venus du monde entier. Prions pour notre pays. Prions pour notre nation. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Jésus-Christ nous donne de prier pour la Côte d'Ivoire. Dieu nous aime. Le Seigneur aime la Côte d'Ivoire. Le Seigneur aime la nation ivoirienne. Le Seigneur aime les Ivoiriens. Prions pour la Côte d'Ivoire. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a besoin de ta prière. Toi, mon frère qui m'écoute, la Côte d'Ivoire a besoin de ta prière. Toi, ma sœur qui m'écoute, la Côte d'Ivoire a besoin de ta prière. Mettons-nous ensemble et prions, intercédons pour notre pays. Fléchissons les genoux pour la Côte d'Ivoire. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, c'est votre servante moyenne. Que le Seigneur soit avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux la paix? Tu veux la paix de Jésus en Côte d'Ivoire? Il faut prier le Seigneur. Il est le seul berger. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre forteresse. Tu veux dormir en paix? Il faut prier le Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Je vais te remercier pour tous tes bienfaits. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te célébrer, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est votre servante moyenne. Il faut partager. Il faut apprécier. Au nom de Jésus. Amen.